Quelle magnifique intro. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play X, nouvelle génération et surtout nouveau style de vie aujourd'hui à domicile. Puisque comme vous pouvez le voir, c'est une merde sans nom. La vie est une merde sans nom. La vie c'est beaucoup de merde, vous savez. Beaucoup, beaucoup de merde. 1, 2, 1, 2, 1, 2, hop là. Donc on va tester un peu le micro. Dites-moi si, en tout cas, le son est bon. Parce que, évidemment, le son va compter énormément dans ce stream. C'est pas volume que je dois monter, mais c'est micro bien. Ah, 1, 2, 1, 2. Là, on m'entend plus clairement, je pense. Déjà en direct, et oui, déjà en direct. Incroyable, mais vrai, mais vous savez que il y a des événements exceptionnels aujourd'hui. Puisque c'est le premier tournoi de Tetris 99. Alors peut-être est-il marqué justement ici. Le voici. Le premier tournoi de Tetris 99 online. Il est là. Donc jouez sur le premier événement online de Tetris 99 pour gagner 999 pièces d'or, mon gars. Ce qui veut dire... bah, 10 balles. Et en gros, de aujourd'hui... à dimanche soir, on a la possibilité de jouer et de remporter du coup ce magnifique cash prize. Alors comment est-ce que ça va se passer en Europe? Sur les 3 jours, vous allez tout simplement jouer au jeu. J'ai dû aller sur le mauvais store, évidemment, puisque je ne suis que merde. Il faut dire que j'ai les annonces de tous les stores à chaque fois. Ça, c'est le store Jap. Est-ce que l'annonce européenne de ce tournoi était quelque part? Je crois que les Européens sont les seuls à pas avoir mis le lien vers le tournoi. Regardez ça. Get top 1 et gagner une chance d'avoir 99 giles. Donc, en gros, sur l'ensemble des pays du monde, plus tu fais de top 1, plus tu es dans un classement sur ces 3 jours. Et les 99, alikoum salam, Chocobo Tiger, on compte sur moi, c'est gentil. Bon, là, je peux pas accéder directement comme ça, je vais aller directement dans l'eShop, ce sera plus simple. Vous avez vu mes jeux extraordinaires que j'ai là. Donc, dans les autres pays du monde, lorsque vous faites un top 1, vous rentrez directement dans un classement. Celui qui a fait le plus de top 1 sur les 3 jours, eh bien, gagnera 999 gold points. Donc, les 999 premiers gagneront chacun 999 pièces d'or. Ce qui est absolument incroyable, bien entendu. Une dose absolument exceptionnel de pièces d'or, du jamais vu dans l'histoire de l'univers de Tetris, les 10 euros de cash price. Le verrier morning, un concept. Et oui, exactement. En plus, là, je suis dû basculer tout sur OBS parce que la licence XSplit a expiré. Donc là, on est en petit déj. Donc, alors, ici, ça doit pas être marqué, mais si je vais sur l'eShop américain. Normalement, il devrait y avoir au moins une annonce, quand même, l'eShop américain, bordel. Dites-moi qu'ils annoncent quand même ce genre de choses-là. Alors, c'est quoi? Coming soon, peut-être? Nintendo Switch Online, voilà. Pas des annonces sur Nintendo Switch Online? Non, deviens membre de Nintendo Switch Online. Coming soon. D'accord. Je sais pas où sont les annonces exactement sur ce online. Moi, je ne m'y risquerais pas hein, si j'étais vous. Mais chez nous, c'est différent. Du coup, oui, c'est en direct, hein, 98. S'il n'y a pas marqué les rediffs, c'est en direct. Chez nous, c'est différent puisque... en Europe, ça n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En Europe, sur bah, les 3 jours de tournoi disponibles, eh bien, vous allez pouvoir participer à une tombola à partir du moment où vous avez fait top 1. C'est-à-dire que tous les joueurs qui auront fait au moins un top 1 durant ces 3 jours de compétition seront tirés au sort et 999 non tirés au sort remporteront les 999
pièces d'or, c'est-à-dire un bon d'achat de 10 euros sur le store. Donc en gros, il y a 999 bons d'achat de 10 euros à gagner et ce sera un tirage au sort de 999 personnes qui auront fait au moins un top 1 sur les 3 jours à venir. La question que l'on se pose, c'est est-ce qu'il y a moyen de rentrer plusieurs fois son nom dans la tombola en faisant plusieurs top 1. Imagine, je fais un top 1, je rentre Ken Bogard dans la tombola, j'en refais un autre, je re-rentre Ken Bogard dans la tombola. Ce qui veut dire que dans l'urne, il y aurait plusieurs fois mon nom, ce qui me donnerait plus de chances d'être tiré. On va envisager ça, parce que ce serait évidemment plus juste, et du coup on va essayer de faire le maximum de top 1. Mais je pense sincèrement que c'est une chance max par personne. Comme tu le dis, Marc, Alex. C'est-à-dire que ça sert à rien de bourrer les top 1. ça changera absolument rien. L'occasion pour moi de vous faire partager, évidemment, sur Ken Bogard versus et sur la JVTV, une petite astuce que peu de personnes connaissent. Alors, c'est un peu Nintendo fan, c'est vrai que c'est pas forcément sur ce channel, mais vous avez la possibilité de faire déjà des pièces d'or grâce à vos magnifiques jeux. Prenez par exemple Go Vacation, un jeu que tout le monde adore et que tout le monde possède ici. Si vous rentrez Go Vacation en version physique dans votre Switch, que vous faites ensuite option et que vous allez ici en bas, programme de récompense My Nintendo et vous faites recevoir mes points, vous choisissez le compte sur lequel vous voulez recevoir les points et ça fonctionne sur tous les comptes. Ainsi, si vous voulez bourrer votre compte JAP de points pour acheter des jeux JAP sans avoir à payer de cartes prépayées, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, je mets Ken Bogard, vérification, et hop, 50 pièces d'or qui correspond à 50 centimes de réduction sur l'eShop. Boum, je reçois mes points. Et hop, 50 pièces d'or. Voilà, ça c'est gratos. Et je vous invite évidemment à faire ça avec le maximum de vos jeux. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va le faire avec l'excellent Sonic Mania Plus. Voilà, qui est aussi justement en version boîte ici. Je le mets. Start. Programme de récompense. Recevoir mes points. Hop. Alors évidemment, ça correspond à... ça correspond à la valeur du jeu lui-même. Ce jeu qui ne coûte que 19 euros, même en boîte, me rapportera, voilà, 20 points, 20 pièces. Voilà, j'ai gagné 20 centimes. Mais juste en faisant ça, et bon, ça a l'air débile, mais en moukoubinisant un peu tout à vos achats, par exemple, ici, Rayman Légende Définitive Audition, pack, je le mets, je fais start, hop là, recevoir mes points, et... hop, si le jeu a moins de 2 ans, alors attention, hein, moins de 2 ans depuis sa date de sortie, pas moins de 2 ans depuis que vous l'avez possédé. C'est-à-dire que ça ne marche plus avec Breath of the Wild, ça ne marche plus avec Bomberman Air, par exemple, qui sont les jeux de sortie, ça ne marche plus avec One to Switch. Eh bien, ce sont des points garantis que vous allez pouvoir vous faire. Et là, vous voyez, là, je suis en train de moukoubiniser mes points. Crash Trilogy, excellent jeu. Qui n'est pas dans la boîte, merveilleux. Rim, jeu tout pourri que je vous déconseille d'acheter, en tout cas sur Switch, puisque le jeu est optimisé vraiment à la pisse. Et oui, j'ai acheté Rim, jugez-moi. Voilà, je peux emmagasiner les points. Ça ne marche pas avec une version dématérialisée. Avec une version dématérialisée, c'est automatique. Lorsque vous achetez un jeu sur l'eShop, tout sa valeur d'achat est convertie automatiquement en points dans le store. Ça peut marcher aussi si le mec ne l'a pas fait avec les jeux d'occasion. Si le mec ne l'a pas fait, si aucun point n'a été rentré sur le jeu, donc avec le numéro de série du jeu, vous allez avoir les points de reçu sur ce jeu. Et oui, c'est une façon de gratter un tout petit peu. Regardez ça, hein. Sushi Striker. Ça, pas acheté, volé ou emprunté à la boîte. Boum! Regardez ça, hop, je l'ai fait le jeu dans Nintendo Fan, j'ai mes points, bon, acheté parce que voilà, c'est le fanboyisme. Hyrule Warrior, on le met aussi. Hyrule Warrior, il me semble que ça va peut-être faire 60 points, Hyrule Warrior. Hop, et regardez, je suis en train de moukoubiniser mes points avec tous les jeux physiques que j'ai. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mis bout à bout. 50 centimes, voilà, 60 points. Exactement, ça, c'est 60 centimes de gagner, sans avoir eu rien à faire
de plus que de mettre le jeu à l'intérieur de... Hop, regardez, un petit Fire Emblem Warrior. Je mets le jeu à l'intérieur. Tac. Je fais B. Start. Programme de récompense. Recevoir mes points. Je moukoumunise le Ken Bogard. Voilà, route to 999 points. Ce qui est rigolo, c'est que, en fait, comme je vais perdre à la tombola parce que j'ai la chatte à verdier que tout le monde me connaît, je suis en train de vous montrer que je suis quand même gagnant. Parce que mes points, Nintendo, je les fais moi-même. On termine avec Dragon Quest Builders. Hop, tu mets Start, programme de récompense, recevoir mes points. C'est très, très, très rapide. Vraiment très rapide. Hop, 50 points. Je reçois. Et voilà, on a tout. Et vous allez voir que mine de rien, ça fait quand même une sacrée somme mis bout à bout. Puisque si on va sur l'eShop ensuite, juste après, vous allez voir que entre tous les jeux dématérialisés que j'ai achetés et les jeux physiques que j'ai ajoutés, j'ai actuellement un nombre de points vraiment non négligeable. Donc si on s'oriente vers les sorties récentes, qu'est-ce qui serait bien à acheter? Bon, Ikari Warrior, j'aime bien SNK, mais bon, voilà. Il y a le Toujamen Earl, mais je le ferai jamais, c'est sûr. Qu'est-ce qui pourrait être sympa à acheter que j'ai pas encore? Ah, un petit SNK Football Championship. Non, faut quand même pas déconner. J'ai encore un peu de... d'amour propre. La version arcade des Ice Climbers. Mon KOF 2003, je l'ai déjà. Qu'est-ce qui serait sympa? Un jeu à acheter que j'ai pas encore qui serait sympa? Tetris 99, tout est gratuit, bien entendu. J'ai acheté FF, je crois que j'ai même pas payé très cher. J'ai même pas quoi acheter. Il y a tellement de jeux. C'est ouf le nombre de jeux qu'il y a sur l'eShop, hein, quand même. Une. Donne L est pas cher. J'ai acheté BlazBlue, évidemment. Je vous le conseille aussi, il est très bon. Ah, ben voilà! Un petit Puzzle Bubble 2. Ah ouais, mais c'est pas le DX. Ah, vous savez, moi, je suis très tatillon. Puzzle Bubble 2, la version 2, elle est... c'est quand même hostile. Précommande FF7. Tiens, c'est pas con, ça. Bientôt disponible. C'est vraiment pas con, tiens, ça. Hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'on a un petit FF7 qui sort... qui sort en avril, il me semble. Ah bah voilà, Final Fantasy VII en précommande. Je clique. Donc, obtenez jusqu'à 80 points. Alors, ce qui est un peu dégueulasse, c'est que les jeux eShop donnent beaucoup plus de points. Ça, c'est vrai. Mais je pense qu'ils nerfent les points. Donc, si je vais à l'écran d'achat, en espérant qu'il n'y ait pas de truc. Voilà, obtenir des réductions contre les points. Donc, aujourd'hui, vous pouvez payer par PayPal. Donc, j'obtiens des réductions contre les points. J'ai actuellement 2000... 191 pièces. Et ce qui est trop stylé, c'est que je vais obtenir des pièces en achetant avec des pièces. 2191 pièces. C'est-à-dire que j'ai 22 euros d'achat gratuit en faisant ça. En mettant les centimes bout à bout, bout à bout, bout à bout, bout à bout, et en grattant. Et là, vous voyez, directement, j'achète devant vos yeux et je précommande Final Fantasy VII gratuitement. Voilà, sans avoir déboursé le moindre centime, juste en n'ayant pas gagné, du coup, ce Tetris 99. Voilà, vous connaîtrez, et voilà, il est même en train de télécharger. Hein. Vous connaîtrez maintenant l'astuce, t'as acheté pour 2000 euros de jeu. Non, c'est pas vrai, parce que les jeux en dématérialisé donnent beaucoup plus de points, en fait. T'achètes un jeu de 9 euros, enfin, tu as, ouais, 50 centimes. Alors que en version physique, ça te donne presque 10 fois moins, je crois, de points. Parce que il y a le marché de l'occasion et que ça... Mais voilà, la Nintendo Money, hein, ça peut vraiment fonctionner. Et on va du coup se lancer immédiatement dans Tetris 99. Donc, d'un point de vue des statistiques, on est level 55, on a joué 36 heures au jeu, 114 top 1 sur 368 parties. Ce qui est pas mal, mais pas top. La crypto-monnaie Nintendo, c'est ça, Noninji. Eh oui, c'est la science du grattage. Je veux pousser le démat, je veux pas pousser le démat, mais faites le rapport, ouais, c'est vrai qu'il y a des jeux démat qui vont vous donner beaucoup plus de points. Par exemple, tu vois, pour 15 euros, Final Fantasy VII m'a donné 80 pièces, qui est 80 centimes, ce qui est beaucoup plus que sa valeur d'origine. Et donc, on va rentrer dans le tournoi et tenter de faire le maximum de top 1 possible.
Alors, est-ce que le son du jeu n'est pas trop fort? Est-ce que vous m'entendez clairement? Ça va être aussi un des défis. Alors que mes chats sont complètement tarés. Je vous jure, ils courent partout à la vitesse de la lumière dans la maison. Bon, j'ai pas réglé ni la caméra ni tout ça. J'ai dû faire un setup un peu à l'arrache ce matin. Alors, t'as déjà fait combien de top 1? Bon, il y avait eu la réponse juste après. Quelqu'un a pris Smash en démat pour savoir combien de points ça rapporte. Tu gagnes 800 points à acheter Smash en démat, non? Les volumes sont bien là, les volumes sont bien là. Ok. Donc on va passer en chaos facile et on va expérimenter tout un tas de trucs aujourd'hui. Pas sûr en tout cas que ces trucs fonctionnent, mais on va essayer de dépasser un peu le stade de jeu de base que l'on a l'habitude d'avoir, à savoir se reposer un tout petit peu sur ses lauriers, même si là je viens de faire une immense erreur du coup. Parce que je n'ai pas de tremplin, c'est pas grave. Je peux quand même faire ça. Ah non, je voulais pas changer la pièce. J'aurais voulu faire T-Spin dès que je commence à jouer, mais évidemment, le monde ne m'en veut pas. Donc j'ai découvert pas mal de trucs dans le jeu, notamment le fait que ça sert à rien de bourrer au début et qu'il faut mieux faire un combo plutôt lent. Que faire quelque chose d'extrêmement rapide. En gros, faut bien regarder où en est ton adversaire au niveau de la hauteur. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si vous regardez un peu mieux vos adversaires, généralement, eh bien, vous allez passer des moments un poil plus agréables. Hop. Ouais, j'essaie de faire monter, mais ça, je m'en fous. Qu'est-ce que j'en fais de ça ? On va faire ça parce que ça fait des spins gratos. Ça. Oh non, pas du tout. Merci. Voilà, hop, ce qui va permettre de redescendre. C'est un peu le but de la manœuvre à chaque fois. Redescendre parce que nous sommes toujours beaucoup trop haut. Hop. Redescend. Que faire de tout ce foutoir? C'est pas très relard descendre tout ça. Non, pas très relard descendre, mais c'est pas grave. On va calmer le jeu. Donc là, je suis attaqué. J'ai fait un kill de merde, ce qui est peu. Et j'ai posé cette pièce comme un tenu. Tout va bien. Donc il y a déjà plus de 50 mecs disponibles, c'est pas possible. Comment font-ils pour mourir comme ça aussi rapidement? Faut qu'ils m'expliquent. KO, bien. Et là j'ai une position assez sympathique. Alors faut juste que je me gourre pas dans le posage. Pour le moment, eux ils s'en ont un peu rien à foutre de ma construction parfaite. Comme ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'en fais ça? J'en fais ça. Merci. Impeccable. C'est pas compliqué. Là. Petit spin. Nickel. Je fais ça. Ça. On fait Tetris. On a setup un autre petit spin. Et ensuite, on va descendre. Tac. Et tuer quelqu'un d'autre. Je pourrais peut-être même passer en riposte à ce moment-là. J'y pense. Calme-toi, mon coco. Voilà, on va descendre en tout cas. Je pense que on est plutôt bien. Après, j'ai pas trop vu les mecs dans la partie. C'est-à-dire voir un peu le niveau global. Un peu concentré sur pas trop faire de la merde. Pourquoi j'ai attaqué les chevrons là? J'ai changé. J'ai ripé sur ma manette. Quel enfer. Hop. On va taper. Je vais pas le mettre là. Je vais pas le disminuer. Tetris stratégie.
ou le Tetris stratégie. Lire stratégie. Hop, hop. Eh bien, écoutez, on est arrivé à une structure méga propre, ce qui fait plaisir. Ah, j'aime quand c'est propre comme ça. On va essayer de tuer un peu. Voilà, ça tue. Nickel. Hop, 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 hop. Allez, on m'attaque. Je riposte. Continue de m'attaquer, mais dis donc. Quelle brebis égarée. Non, ça, sinon, je pourrais pas le tuer. Hop, 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 hop. On passe ça là, s'il te plaît, monsieur. Et on se détend sur les attaques. Mecs sont tendus hein, quand même. Donc c'est comment qu'il faut que je fasse? Déjà c'était pas comme ça. Impeccable. Pas comme ça non plus, pas comme ça non plus, pas comme ça non plus. Quand même du mal à instinctivement setup des petits spins. Hein. Quand même bien l'avouer. Si je fais ça, que je fais ça, que je fais ça, 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 je vais pouvoir redescendre au moins un tout petit peu. Même si, bon, c'est pas trop le problème de redescendre ou pas de redescendre, là, pour vous dire la vérité. Bah, pourquoi tu l'as mis comme ça, toi? Quel con. Quel con, quel con, quel con. Oh oui, puis là, je suis monté bien haut. Oh, j'espère qu'ils vont m'oublier à l'UM. Ils ont pas l'air de m'avoir oublié. Ils ont l'air de se rappeler que j'ai essayé de les remplir. Hop, 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 hop. Petit Tetris pour la blague. J'ai appuyé un peu trop sur le bouton haut. Un peu trop excité. Essayer de patcher ça. Normalement là je corrige ça, je corrige ça. Mal. On est mal, mais on n'est pas mort les gars. Complètement pas mort. Redescend un tout petit peu. Ok, si le setup ça comme ça, ça là, ça ici, ça comme ça, ça comme ça, ça là, ça là, ça là, ici. Je peux du coup faire ça, plus ça, plus ça. Ce qui est bien. Mais toujours insuffisant. Parce que je n'ai pas max kill. Eh oui! Et je sais que je n'ai pas maxé mes skills, mes kills, mais que voulez-vous que j'y fasse? Je n'y peux absolument rien. On se détend, on se détend, tout va bien se passer. Je vous rassure que tout va bien se passer. Plutôt mettre ça là, moi. Merci. Ici, là. Ah, raté. Là, par contre, tout va pas bien se passer, les gars. J'aimerais être rassurant, mais... je vais quand même avoir du mal à être rassurant. Carré. Ah, mais on s'en sort quand même. Pour le moment. Ah bah j'ai gagné. Eh bah écoutez. Ah, ce Shannon était level 53 aussi. C'est le seul mec que j'ai kill de toute ma vie en 1v1. Voilà, y a pas de chat hein. J'ai joué plutôt calmement. Franchement, ça va hein. Je t'avais dit inversé. Ça y est, j'ai peut-être gagné le cash prize. Incroyable, 9 euros. Je suis dans la tombola. Je me tombolate.
10 balles, les gars, 10 balles. Oh, c'est tellement bien, 10 balles. On peut pas être plus heureux au monde que de gagner 10 balles. Je veux dire, à quel moment dans ta vie, t'es plus heureux que ça? C'est à partir de 14h pour prendre le cash, je passe licencié. On en fait qu'ils ont quand même mis la version 1.1. Donc c'est une nouvelle version, il faut télécharger une mise à jour. Donc ils vont peut-être apporter des choses après le tournoi. Rally Sport Money, c'est...